Alors, Cognac Blues est un roman noir qui raconte l'histoire d'un tueur qui vient de tuer un syndicaliste viticole sur ordre d'un syndicaliste viticole concurrent, lequel est en fait aux ordres des multinationales du cognac. En fait, ce livre traite de l'industrie du cognac, se passe donc à Cognac et aussi au bord de la mer à Royan, parce que le tueur habite là-bas. Et le roman débute au moment où le tueur se pose énormément de questions sur lui-même et sur son métier, et au moment où il rencontre une jeune fille dont il va tomber forcément amoureux. Ce qui ne va pas manquer de poser tout un tas de problèmes de conscience, etc. Voilà. Je travaille au journal Sud-Ouest et j'ai passé 3 ans journaliste à l'agence de Cognac. Donc en fait, c'est un monde, le monde du cognac que je connais bien et dont j'avais envie de parler parce que ce qu'il y a d'extraordinaire avec le cognac, c'est que c'est un produit mondial qui est exporté à 95%, mais qui est forcément produit à Cognac. Et donc ça permet d'observer ce qu'est la mondialisation, mais sur place. Et d'autre part, l'autre lieu du roman, c'est Royan et ses environs, et la Côte Sauvage qui est à côté, et où je suis né, et donc que je connais bien aussi. Et donc ça me permet aussi de parler de l'océan, de la mer, des pins, du soleil, des nuages, et tout ça.